Le gars était en train de me dire que Justin, tu sais, la force de la Corée du Sud, l'éducation. J'ai dit que mais l'éducation, même en Afrique, on est éduqué. Il me dit que non, non, non. En Afrique, dans tous les ronds-points, tu vas voir 4-5 policiers là-bas. Ils font quoi? Il y a des feux rouges, mais en plus des feux rouges, on met des policiers là-bas. Ça veut dire quoi? Quand on met déjà un feu rouge, c'est pour enlever le travail de l'homme. C'est pour que les policiers aillent faire autre chose. Mais comme la population est mal éduquée, il faut encore en plus des feux rouges mettre la police là-bas. Et c'est ça le problème. Il y a de cela quelques semaines, j'étais en train d'échanger avec un homme d'affaires coréen et je lui ai posé une question de fond. Je lui ai dit comment la Corée du Sud s'est développée aussi rapidement. Il me dit que, ok Justin, il y a une raison et une seule. Je dis, ah bon, il dit qu'une seule raison, mais il y a deux autres raisons complémentaires. Et le gars s'est mis à m'expliquer. Au-delà de toutes les connaissances générales que j'avais, de tout ce que je savais de façon vague, ma culture générale sur les deux Corées, le Japon, les États-Unis, comment ils se sont séparés, la guerre de Corée, tout ce que je savais de façon culture générale, quand le gars a fini de m'expliquer, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, il y a un gros problème en Afrique. Et je me permets de vous retransmettre ici les trois choses qu'il m'a dit. Le premier et les deux choses même complémentaires qu'il m'a dit, je vais vous dire ça dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, je me présente rapidement. Moi, mon nom, c'est Justin Mortaudet. Je suis un entrepreneur. Et si vous voulez savoir toutes les activités que je fais, je mettrai des liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller télécharger mes livres que j'ai écrits. Vous pouvez également rejoindre des programmes d'investissement dans l'immobilier, l'achat des terrains, le développement du chiffre d'affaires. Si vous voulez également un coaching avec mes équipes ou bien avec moi-même parce qu'on a une équipe. Si vous voulez vous entretenir avec nos équipes, on mettrai vraiment tout dans la description de cette vidéo pour faire court. On va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo. Où le gars était en train de me dire que Justin, tu sais, la force de la Corée du Sud, le premier élément, c'était l'éducation. J'ai dit que mais l'éducation, même en Afrique, on est éduqué. Il me dit que non, non, non. L'éducation en Corée du Sud, c'est totalement autre chose. Ce qu'il faut savoir, d'après plusieurs études, la Corée du Sud est le pays le plus scolarisé du monde. Vous pouvez aller vérifier. En effet, une étude menée par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE démontre que 70% des Coréens âgés entre 24 et 35 ans ont eu une formation d'études supérieures. Dans le cadre du programme international pour le suivi des acquis des élèves, la Corée du Sud se classe systématiquement parmi les meilleurs pays membres de l'OCDE. Depuis sa première participation du pays au PISA, la performance moyenne des élèves en compréhension ne cesse d'augmenter. Cela explique bien notamment le fait que le gouvernement sud-coréen a investi massivement dans le capital humain. Vous allez me dire que, ok Justin, ici en Afrique aussi, on investit sur le capital humain. Mais en Corée du Sud, c'est ce que le gars commence à me dire. Il dit qu'en Corée du Sud, il n'y a pas d'études inutiles. Oui, moi ça m'a choqué. Il dit qu'il n'y a pas d'études inutiles. Il dit qu'il y a... Il dit que 70% des Coréens ont un diplôme, mais il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. Parce que toutes les formations, tu ne peux pas être formé en Corée du Sud et ne pas être utile. Parce que toute la formation qui est donnée en Corée du Sud, c'est donnée à un but précis. On ne peut pas dépenser sur un jeune Coréen pendant 10 ans, 20 ans, et puis après il devient inutile. Il dit que le gouvernement a une vision selon laquelle on ne peut pas former des gens qui vont devenir inutiles à la nation. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est qu'en Afrique, vous allez voir des jeunes être formés 20 ans. Ils vont passer 20 ans à l'école. Ils vont, certains même plus. Et à la fin, ils sont inutiles. Ils dorment dans les rues. Certains, ils jouent aux cartes, ainsi de suite. Il dit qu'en Corée, il n'y a pas ça. Il dit que toutes les études, mais ça paraît, mais ça m'a choqué, ça m'a choqué. En Afrique, le taux de scolarisation moyenne est de 15%. Ça dit que ça, c'est le taux d'alphabétisation même. Ce n'est pas le taux même de... Vous voyez, on n'en est même pas arrivé au niveau de bac ou bien bac plus, non. Ça dit que on est à, et ceux même qui ont des diplômes, ceux qui sont formés, qui ont des diplômes qu'on les appelle en Afrique des intellectuels, ils ne font pas 10% de la population, surtout en Afrique francophone. Mais malgré ça, on est en chômage. Ça, il y a un problème.
il y a ces problèmes-là, comme quoi on forme les gens qui sont en chômage. Non, il dit que la formation, l'éducation en Corée est utile. Et deuxième élément, qui me dit que c'est, en fait, il me dit que c'est ça la base. Il dit que c'est ça la base, il n'y a rien d'autre en Corée. C'est ça la base. Former de façon utile, honnête et responsable. Il n'y a rien d'autre. Et tout ce qui va venir après, c'est tout simplement la compétence ou bien la conséquence, c'est ce que je veux dire, la conséquence d'une éducation utile. L'industrialisation qui est le deuxième point, il dit qu'une fois que les gens sont éduqués et formés de façon utile, il dit que le reste, ça vient. Quand on est vraiment, quand l'éducation est honnête et utile, l'industrie suit. Parce que toute personne éduquée de façon utile et honnête, c'est que pour s'enrichir, il faut industrialiser. C'est tout. On ne peut pas aujourd'hui gagner beaucoup d'argent, faire face à la concurrence. Si on travaille avec la main, on travaille encore comme des animaux. Parce que travailler avec sa propre force, c'est la seule différence qui existe entre les animaux et les humains. Les animaux, eux, ils pensent qu'être fort, c'est être fort physiquement. Alors que les humains, être fort, la capacité que Dieu nous a donnée, c'est réfléchir et de trouver des méthodes plus intelligentes. C'est l'intelligence, c'est la conscience intelligible que Dieu nous a donnée qui nous distingue des animaux. Donc si aujourd'hui en Afrique, les gens ils pensent que pour devenir riche, il faut encore travailler avec ses propres muscles, sans intelligence, sans industrialiser. Parce que même si dans le fond, on ne se le dit pas, on dit que non, on ne se le dit pas, mais inconsciemment, on met encore beaucoup plus d'énergie humaine plutôt que de la connaissance en application. Et c'est tout ce qui a fait aujourd'hui, vous voyez, Samsung, LG, Hyundai, Kia, il y a plusieurs industries. Et d'ailleurs, cet ami-là, lui, il est propriétaire d'une industrie également. Vous partez un peu partout dans les sous-sols, dans les parkings. Il dit que même dans les sous-sols, vous voyez que les petits trucs que nous, on a ici, les aiguilles, les gobelets en caoutchouc, tout ça là, ce sont des petits qui fabriquent ça. Il dit que c'est une famille qui fabrique les lumières, en fait, des petites choses. Quand on est bien éduqué, quand on est bien formé, on n'a même pas besoin d'aller déranger le gouvernement. Elle dit que le gouvernement, c'est là maintenant que moi j'arrive. Elle dit que le problème en Afrique, c'est quoi? Les gouvernements, il faut qu'ils arrêtent de se mettre eux-mêmes dans les pièges. Parce que si vous ne formez pas bien les gens, si la formation que vous donnez à la population n'est pas une formation honnête, ça va retomber contre vous. Imaginez des pays comme la Corée, la Chine, Singapour, ainsi de suite, la Malaisie. Les gens, ils n'ont pas le même problème. C'est-à-dire que pour résoudre un problème, le problème, une fois pour toutes, il faut éduquer de façon honnête, de façon utile. Il ne faut pas distraire, il ne faut pas donner des formations inutiles aux gens. Moi, je prends le cas, par exemple, de la police et de la gendarmerie. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans beaucoup de pays et je prends souvent le cas de Dubaï où tu ne vois même pas des policiers dans la rue, dans les ronds-points. Quand tu arrives dans un rond-point, tu ne vois même pas des policiers là-bas. En Afrique, dans tous les ronds-points, tu vas voir 4-5 policiers là-bas. Ils font quoi? Il y a des feux rouges, mais en plus des feux rouges, on met des policiers là-bas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la population est mal éduquée. Donc, même quand c'est feux rouges, les gars vont traverser. Voilà pourquoi, en plus des feux rouges, on met encore des policiers. Quand on met déjà un feu rouge, c'est pour enlever le travail de l'homme. C'est pour que les policiers aillent faire autre chose. Mais comme la population est mal éduquée, il faut encore en plus des feux rouges mettre la police là-bas. Et c'est ça le problème. On doit arriver à un moment donné, éduquer les gens, les éduquer de façon tellement honnête, investir plutôt dans l'éducation. Comme ça, on va réduire les efforts qu'il va falloir faire. Le banditisme, par exemple. En Corée, le gars, il me dit que le gars... Je ne dis pas son nom parce que si je dis son nom, vous allez aller taper sur internet et le connaître certainement. Parce que voilà, je vous dis, c'est un industriel. Vous partez des voitures, des portes ouvertes. C'est-à-dire que les gars, ils viennent, ils laissent la moto avec la clé dessus, ils laissent la voiture avec la clé dessus et ils vont. Personne ne viendra voler. Parce que l'éducation utile, l'éducation honnête est déjà mise en place. On n'a pas besoin de venir frapper les gens, de venir emprisonner les gens parce qu'ils ont volé. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Et d'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je vais vous dire, par exemple, dans beaucoup de pays où les prisons commencent à se vider, on n'a plus besoin de prisons. Lorsque l'éducation est bien faite, on n'a pas besoin de mettre les gens en prison. Parce que c'est ce que je dis, nos gouvernements, il faut qu'ils réfléchissent un peu. Ce qu'ils font mal, les conséquences viennent après. Le banditisme, les prisons, au lieu de construire des écoles,
Comme ça, on réduit les prisons et les former, bien construire des écoles et bien former les gens pour réduire la construction des prisons. Et c'est tout à fait le contraire. Voilà, aujourd'hui, dans certaines prisons, il y a beaucoup plus de prisonniers que d'élèves en salle de classe. Ça, ce sont des conséquences. Et la Corée du Sud, il dit que c'est aussi simple que ça. Ils ont appliqué une éducation utile. Et le troisième élément, il dit que c'est l'exportation. Il dit qu'il faut exporter. Un pays ne peut pas seulement importer. Il dit que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous voyez, en Afrique, partout, vous voyez Samsung, Hyundai, Kia, LG, ainsi de suite. Ça, ce sont juste les quelques industries les plus connues en Afrique ici. Mais il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup d'industries. Mais la Corée produit, la Corée du Sud produit et exporte ses produits. Et en Afrique, malheureusement, même l'autosuffisance alimentaire en riz. C'est-à-dire que même pour manger, c'est-à-dire que même ce qu'on mange, étant donné même que nous avons les plus grandes surfaces cultivables, mais même ce qu'on mange, on importe. Mais c'est malheureux. Tout ça, quand le gars a fini de m'expliquer, il s'est dit que Justin, c'est l'éducation. Il dit que c'est l'éducation, c'est tout. Il dit qu'il faut que les États africains mettent des budgets conséquents sur l'éducation et la formation honnête. Ce n'est pas la formation qu'on a ici, qui n'est pas honnête, où les gens sont formés. Et une fois que les personnes sont formées, ne sont même pas utiles, malheureusement. Et quand c'est comme ça, ça ne résout aucun problème. Les amis, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je vous invite, vous également, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il m'a dit. Il dit que le secret et la force des Coréens, c'était l'éducation honnête. Quand les gens sont éduqués honnêtement, de façon utile et responsable, ils vont directement s'industrialiser. Parce que ça se suit, en fait. Tu ne peux pas connaître une chose et ne pas la mettre en pratique, en fait. Donc, l'industrialisation s'est suivie et après, l'exportation. Et c'est tout. Je pense que c'est quand même très profond ce que le gars a dit. Mais je vous laisse vous également me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao ciao.